Tu es intelligent. Tu vas découvrir toi-même que ton obstination est insensée. Que ce marché lui-même monstrueux. Si personne vivant, c'est un con. Que te regarde. Il va t'aider, écoute donc sa voix. Notre souffrance, notre désespoir, tu as tout ça, mes yeux. Laisse ton cœur souffrir. Laisse entrer Dieu dans ton âme. Mais n'est-ce pas Dieu qui nous envoie cette épreuve? Et ne devons-nous pas tous ensemble l'accepter, la surmonter? Tu cherches à nous égarer. Tu cherches à nous faire admettre que c'est Dieu qui nous a conduits ici. Que c'est sa volonté qui nous fait ici. Mais même si nous admettons cela, je te laisse à toi, la liberté de choisir. Que Dieu, ou le destin, ou la malchance nous amène ici. Tu restes libre de choisir entre Paul et Paris. Tu ne nous abuseras pas. Nous savons que tu peux choisir. Et tu dois le faire selon la raison. Je sais. Peut-être que pour nous pas te laisser nous-mêmes. Mais vois cette femme. Elle a deux petits. Là, 10 mois à peine. L'autre compte juste 2 ans. Elle était sortie pour aller acheter du pain. Elle ne comptait s'absenter que quelques minutes. Elle les a laissés enfermés. C'est une femme. Je la connais, sa maison est isolée. Il faut qu'elle retourne chez elle. C'est bien, tu aimes ton amour. Mais elle aime aussi ses petits. Il faut qu'ils vivent. C'est innocent. Innocent! C'est bien que tu sois pour le peuple. Que tu veuilles sauver ton ami. Il faut aussi sauver ses petits. Ils vont se réveiller. Elle est au rire à deux fois. Ces enfants n'ont rien fait. Il faut toi aussi que tu réfléchisses à ça. Éduquer l'enfant à cette heure. Laisse esclave par tout ce pays. La fille, tu le sais bien. Tu ne parleras pas. Tu es un enfant. Tu as le cœur de lier. Non, mon père, non. Vous voyez le parti de cet homme qui nous assassine. Mais Dieu n'est pas ici. Et vous ne servez pas Dieu. Au nom de ce Dieu de justice et d'amour, votre devoir est de vous défendre. Mais défendez-nous! Je ne veux pas me finir à mourir ainsi. Ni les autres non plus. Nous n'avons rien fait. Il doit exister d'autres moyens de capturer Bolivar. Il doit exister d'autres moyens de faire parler Montserrat et d'obtenir qu'il vous livre. Le marché dont nous sommes victimes est monstrueux. Deux démotifs de péril. Deux innocents. En persistant à aider les desseins de cet homme, mon père, vous vous faites complice d'un crime sans nom. Contre les hommes et contre Dieu!